Je te cache dans le sang de Jésus. Je proclame que tu appartiens à Jésus. Que personne ne peut rien contre toi. Toute arme forgée contre toi sera brisée. Tout rassemblement contre toi sera dispersé. Amen. Les émotions sont vives. À Atiekwa, chaque intervention relative à un témoignage est conséquente et susceptible d'apporter une nouveauté. Ce 4 août, il est 20h52. Depuis 12 heures, l'église est rassemblée sur le site. Malgré les signes indiquant la fin de la rencontre, le jeune invité s'est résolu de dire ce qu'il a vécu à Atiekwa. Je suis le frère Sylvain Boin. Je suis là ce soir pour dire merci au Seigneur. Je suis là ce soir, papa, pour vous dire que votre Jésus, là, il est vraiment réel. La journée, quand nous sommes arrivés ici, les gens rendaient témoignage. Ils voyaient que c'était de n'importe quoi. Et toute la journée, du moment même que les gens rendaient témoignage, j'étais en train de lutter à moi-même, j'étais en train de lutter avec ma conscience. Il y a quelque chose qui me disait que ma place n'était pas ici, de quitter les lieux. Parce que la semaine s'est passée, quand je suis venu, je suis quitté ici avec une maladie et par la grâce de Dieu, j'ai été guéri. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes arrivés, du moment que les gens rendaient témoignage ici, il y a un esprit qui me dit, on t'a déjà dit que ta place n'est pas ici, il faut quitter. Donc, où j'étais assis avec mon frère en Christ qui est en train de m'encadrer actuellement, je cherchais l'occasion pour partir à la maison. Parce que tout ce qui se passait ici, tout m'énervait. Donc, il y a un esprit qui me dit, non, il faut quitter le lieu, on t'a déjà dit que ta place n'est pas ici, il faut quitter le lieu. Donc, j'ai dit à mon frère en Christ que non, ah, moi, j'ai froid. Je vais boire café. Donc, lui-même m'a accompagné. Où on fait café là-bas, il dit, je vais prendre Luton. J'ai pris Luton, il est arrêté à côté de moi. Il dit, il faut boire, on va aller s'asseoir. Il dit, moi-même, là, je ne vais pas boire Luton ici. J'ai pris le café en main. Je suis parti derrière la route où il y a le chantier là-bas. La voix me dit toujours, il faut quitter ici, il faut partir à la maison. Donc, je suis là, je suis en train de marcher, je suis sur le chantier là-bas, en train de marcher. Je cherchais l'occasion pour partir à la Palmyrée. Je suis là, il y a un taxi qui venait. J'ai arrêté le taxi, mais mon sac est resté ici. Mes affaires sont dessus. Donc, je ne sais pas comment faire. J'ai laissé le taxi. J'ai tourné dans les rayons. Après, je suis venu m'asseoir à côté de mon frère. Il me demande, ça va? Je lui ai dit, tout va bien. On n'a qu'à faire le tour et puis on va rentrer à la maison. Donc, tout à l'heure, pendant la prière. Tout à l'heure. A while ago. Suivant. Lorsque papa a dit, on va chasser les esprits des eaux. C'est comme c'est une bombe qu'ils ont mis dans ma tête. Lorsque papa tient son micro, mes oreilles, il ne peut pas. C'est comme c'est une bombe qu'ils ont mis dans mes oreilles. La prière était intense. Et il a insisté encore qu'il y a des personnes même qui ont mangé des choses. Les personnes là vont vomir. Automatiquement, il y a eu 4 personnes. Ils sont venus me chercher. On dit, bon, on est venu te chercher. Allons-y, tu ne dois pas rester. On t'a déjà dit, si tu restes ici, tu vas tomber malade. Lève-toi, on va quitter le lieu. Papa est en train de prier. Les gens sont en train de prier. Je suis en train de lutter avec les 4 personnes. Un homme avec des cornes. 3 femmes. Il y a une, elle a un joli visage, mais le reste, c'est poisson. Donc, la prière était intense. On dit, bon, on va le faire sortir par la force maintenant, puisqu'il ne veut pas partir. Toute la journée, on a tout fait. Il ne veut pas partir, on va le faire sortir par la force. Le pasteur aussi était en train de prier. La prière, c'est comme une bombe dans ma tête, toujours. Il ne pouvait pas tenir. Arrivé un moment maintenant,
L'homme lui dit, bon, comme il ne veut pas partir, on n'a qu'à le tuer ici en même temps. Donc, lorsqu'il a dit, on n'a qu'à le tuer ici en même temps, il luttait sur moi, ils étaient quatre. Moi aussi, j'étais en train de lutter dans les rangées là-bas. Et en même temps, je ne sais pas, quelque chose que je n'ai jamais vu, j'ai vu une forte lumière descendre sous la bâche. Jésus-Christ. Lorsque la lumière est descendue sous la bâche là-bas, l'homme, il voulait fuir. Lui qui avait des cornes, il voulait fuir. Et il a cogné les poteaux, il est tombé. Lorsqu'il a cogné les poteaux, il s'est transformé en corbeau. Et il y avait le feu sur lui, il brûlait. Maintenant, les trois autres femmes, il y a une qui avait joli visage, qui était poisson, elle est rentrée, je ne sais pas comment, elle s'est arrangée sous les bâches là-bas, elle est rentrée dans l'eau. Et lorsqu'elle est rentrée dans l'eau, il y avait un feu qui brûlait la femme là dans l'eau. Malgré qu'elle est dans l'eau. Jésus-Christ. Et les deux autres femmes, elles se sont transformées, elles ne pouvaient plus. Elles se sont transformées en époux. Mais lorsqu'elles s'envolaient, il y avait toujours le feu sur eux. Et elles ont commencé à crier, à pleurer, à pleurer. Donc, au moment où je vais prendre conscience, j'étais dans la mer, je ne sais pas, sécurité. Voilà. Jésus. Je bénis le nom du Seigneur. Je t'aime, Jésus. Non. Les fins de soirée sont déjà connues à Tiekwa. Dieu tire les témoignages de la bouche de son peuple. Il y a trois jours, le peuple présent a épousé une autre maxime. Tout à l'heure. Mais tout à l'heure. Tout à l'heure. Jésus-Christ. Jesus Christ. Tout à l'heure, pendant la prière. Tout à l'heure. A while ago. Dieu est grand et chaque instant est devenu viral à Tiekwa.